Bonjour, ici Mathilde Aubert, en direct du tout premier journal d'HUI TV. Au sommaire, aujourd'hui, une interview des assos humanitaires d'HUI, notre rubrique voyage et un 50 minutes inside sur le rock HUI. Aujourd'hui, nous accueillons Raphaël et Claire de Sourire Burkinabé et Margot et Alice de Amaryllis, qui seront aujourd'hui interrogées par nos deux déesses de la chronique, Léa et Luce. Donc bonjour à tous, donc on va commencer par Margot et Alix. Donc comment vous est venue l'idée de vous engager dans l'humanitaire? Du coup j'ai choisi en fait d'intégrer l'équipe Amaryllis parce que j'ai vécu 4 ans en Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Du coup l'Asie du Sud-Est c'est une région qui me tient beaucoup à cœur et j'ai eu beaucoup l'occasion de voyager et j'ai pas du tout visité les Philippines. Et comme je n'ai jamais fait d'humanitaire, je ne me suis jamais engagée dans un combat comme celui-ci. Du coup, j'ai décidé de m'engager avec Amaryllis et pour pouvoir justement avoir l'occasion de partir aux Philippines et d'allier l'humanitaire et l'Asie du Sud-Est. Moi, j'ai décidé Amaryllis parce que j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Et du coup, j'ai fait le tour des assos d'HUI et c'est le sujet qui m'a le plus. Moi, c'est tout simplement pour l'esprit de solidarité. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de l'humanitaire et que j'ai attendu de trouver l'année où je pouvais me consacrer pour pouvoir me donner un coup. Et moi pareil, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire aussi et puis l'occasion s'est présentée de trouver une équipe pour pouvoir monter un nouveau projet avec des gens de choix. Du coup, vu que vous êtes une nouvelle asso, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet que vous menez et quelles vont être vos missions sur place? Alors, notre projet a pour but de récolter des fonds pour venir en aide à la construction d'une école au Burkina Faso, une école petite qui est située à 30 km de Ouagadougou. Nous, on va partir cette année. Pour faire le début du projet, donc les fondations, la restauration, et puis l'année prochaine, les fonds. Du coup, est-ce que vous pouvez rappeler un peu la mission d'Amaryllis sur place? Alors déjà, Amaryllis, c'est une asso qui a pour but d'aider les jeunes filles aux Philippines qui ont été victimes d'abus sexuels et de violences. Et du coup, le projet d'Amaryllis, c'est d'égayer le centre. Donc, vu qu'il y a eu un typhon en 2013, il y a eu pas mal de rénovations. Du coup, là, on va faire pas mal de travaux de peinture. Et après, ensuite, on va faire tout ce qui est activité avec les filles. On va aller à la piscine, à la mer, faire des olympiades. Et pour revenir un peu sur la vie étudiante lilloise, quels sont les événements que vous avez déjà organisés ou que vous comptez organiser avant le départ? Pour l'instant, on a eu des super petits déjeuners à HUI qui ont apporté beaucoup de sous. Et ensuite, on fait aussi pas mal de restauration. Enfin, en fait, toutes les assos d'HUI font pas mal de restauration pendant les tournois sportifs. Donc, il y a eu le T5B, mais on n'a pas forcément plus de trucs. Mais il y a le T5B, il y a le challenge HBV qu'il y a eu la semaine dernière. Et nous, on va aussi sûrement faire des tournois hors HUI, enfin, faire de la restauration pour des tournois inter-école mais de la Cato. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est beaucoup essentiellement de la restauration qu'on fait, et souvent des vestiaires lors des événements comme le gala HUI. Mais après, c'est pas vraiment les événements dans HUI qui vont nous permettre de récolter 10 000 euros pour notre projet. C'est plus les demandes de subventions d'entreprises et participer à des concours étudiants pour présenter les projets qui vont nous permettre d'avoir 10 000 euros. Je ne peux pas ajouter grand chose à vrai dire, il n'y a pas de secret, on fait les événements comme les soirées
étudiants qui vont nous prendre à manger, à dîner pour les étudiants. On fait les événements sportifs, pareil. Et c'est pas ça qui nous donne nos fonds nécessaires, mais c'est ce qui nous permet de nous faire un petit peu connaître au sein de l'école. D'éventuellement aussi trouver les futurs recrutements. Ouais. Oui, on avait fait un recrutement en début d'année pour pouvoir aussi toucher la prépa. Et souvent en fin d'année, du coup, on ne va pas être responsable l'année prochaine non plus. Du coup, on va laisser tomber. Alors du coup, on va faire un petit quiz facile pour voir si vous êtes quand même un peu au courant. Des caractéristiques du pays dans lequel vous allez. On commence par la question la plus simple. On recommence par vous. La capitale du Burkina Faso. Ouagadougou. Très bien. La capitale des Philippines. Jusque-là, ça va. Après la prochaine question. On va corser un petit peu. Maintenant, on va parler des superficies des pays. Alors, est-ce que vous avez une idée, Claire et Raph, de la superficie du Burkina Faso? Ouais. 270 000 km². Il est pas loin, 274 400 km². Voilà. C'est pas mal. Il a triché, c'est sûr. Et donc pour les Philippines, les filles? Alors, bah, en fait, c'est difficile à dire parce que c'est que des petites îles aux Philippines. Voilà. Du coup, il n'y a pas vraiment. Ça dépend si tu dépends vraiment la superficie que sur Terre ou avec l'eau. Terrestre. Approximativement. 300 000. 400 km², c'est ça. C'est ça. C'était évident. Bon, ensuite, comme on sait que là-bas, pour communiquer, le langage est quand même primordial, est-ce que vous connaissez la langue parlée aux Philippines et est-ce que vous pourriez nous dire un ou deux mots pour notre culture personnelle? Il y a un avantage aux Philippines, c'est qu'ils apprennent tous anglais. Et donc, on sait parler anglais et après, selon le Philippin, on n'a aucune idée. Un petit bonjour. Si, bonjour, c'est... Ilo, ou un truc bonjour. Enfin, donc, arao. Ah, ouais. Voilà. Du coup, grâce à nous, on pourrait dire bonjour en philippin. Magadong arao. Elle est native des Philippines. Ça pour une cuisine cachée. Bon, mais du coup, Raph, après le turc, qu'est-ce qu'il fait au Burkina Faso? Bah, le français. Et ils ont plein de dialectes là-bas, ils parlent français. Trois principaux dialectes, c'est facile. Alors, il y a trop facile. Ah ouais, le mot. Ouais. Tioula Nko et le Fufulde. Non, c'est pas. Vous allez avoir du mal à vous en sortir. C'est mal parti. Bon, du coup, maintenant on va faire un Fast and Curious. Donc, si vous ne connaissez pas le principe. On vous donne deux propositions et vous devez répondre du tac au tac. Donc comme vous êtes quatre, ce qu'on va faire, on pose la question d'abord Raph, après Claire, ensuite Alix et après Margot. Ça vous va? Donc première proposition, lundi ou jeudi? Jeudi. Lundi. Major Lazer ou Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Major Lazer. Toujours sur le thème de la musique, Usher ou Chris Brown? Chris Brown. Usher. Chris Brown. On va repartir un peu sur les classiques maintenant, le livre de la jungle ou le roi lion? Le livre de la jungle. Le roi lion. Le roi lion. Le roi lion. Ensuite, on repart sur la musique, hip-hop ou punk? Hip-hop. Hip-hop. Wolverine ou Deadpool? Wolverine. Et pour la dernière, Uber ou Tinder? Uber. C'est pas Uber. Ils n'osent pas le dire. Moi, Alix, j'aurais penché sur un petit Tinder. Et du coup, pour finir cette interview, est-ce que vous avez chacun une petite anecdote à nous dire, soit sur l'asso, soit sur le pays dans lequel vous partez? Oui. Burkina Faso, ça veut dire pays des hommes intègres. Ouais. C'est bon. Et du c'est coup, bon. Et pour Marie-Lys, la présidente, je lui laisse le mot. C'est très mal vu d'être un nuit. Très bien. C'est intéressant.
Sur ce, merci à Marie-Lise et Sourire Burkinabé d'être venues pour cette interview. Et n'hésitez pas à les soutenir sur leur page Facebook. Et maintenant, après avoir reçu nos deux associations humanitaires, Amaryllis et Sourire Burkinabé, qui nous ont fait voyager aux Philippines et au Burkina Faso, nous recevons Marie qui va nous présenter les destinations insolites de cet été. Bonjour Marie. Bonjour Mathilde. Alors, ces destinations? Eh bien écoutez, nous avons fait une sélection de 3 destinations pour les personnes aimant les sensations fortes. Tout d'abord, la ville de Pucón au Chili qui vous proposera un saut à l'élastique depuis un hélicoptère au-dessus d'un volcan en fusion pour la modique somme de 9000 euros. Ce qui est tout à fait abordable. Oui, ils offrent l'hôtel. Ah. Deuxième destination, aux Bahamas, nous vous proposerons de nager au milieu d'un banc de requins marteaux. Et enfin, dans la ville de Darwin, en Australie, nous vous proposerons de vous immerger au sein d'un banc de crocodiles affamés depuis plusieurs semaines à l'intérieur d'une cage en plexiglas. Et sinon, Marie, si nous n'avons ni envie de sauter dans un volcan en fusion, ni envie de se faire manger par des crocodiles ou des requins, qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, écoutez, je vous propose tout simplement d'aller dans la ville de Dubrovnik, en Croatie, lieu de tournage de la série Game of Thrones. Oui, à ce qu'il paraît, c'est la réplique exacte de la ville Port-Réal. En tout cas, Marie, merci beaucoup pour cette rubrique. Merci. Et maintenant, nous enchaînons sur un 50 minutes inside avec le Rock HEI. Nous voici ce soir en direct du Rock HEI pour un 50 minutes au Rock HEI. Vous pouvez observer les gens devant nous qui sont venus seuls et qui cherchent leur proie. Lorsque l'on se décale légèrement vers la gauche, nous pouvons voir les couples danser au rythme de cette musique entraînante et très rock. Bonsoir Yriol, je suis le nouveau président du Rock HEI. Donc depuis quand es-tu dans la scène? Est-ce que tu étais déjà dans la scène l'année dernière? Alors l'an dernier oui j'y étais, normalement j'aurais dû être trésorier cette année, mais par la force des choses j'ai été président. Non. D'accord, et d'où t'es venue cette passion pour le Rock? Au fur et à mesure, je suis venu à une soirée, je suis venu à deux soirées et j'ai continué de venir à prendre des passes. D'accord, mais t'as découvert le rock en arrivant à HEI ou c'est ça? Non, avant HEI je connaissais pas du tout. D'accord. Et du coup, projet pour cette année, est-ce que vous avez pour projet de faire des thèmes? Alors cette année on explore plusieurs thèmes nouveaux, par exemple ce soir le thème TV, blackout, tout ça, donc si vous voyez les images c'est tout noir à l'intérieur, plein de néons et maquillage UV, etc. Et on aimerait faire une soirée sur le thème un petit peu années 70, avec années 50, années 70, avec un groupe qui viendrait carrément jouer plutôt que ce soit des enceintes, donc ça apporte beaucoup de choses. Alors à chaque soirée on compte entre 80 et 130 personnes, ça dépend de l'affluence. Donc je pourrais vous dire combien on est. Et après pour notre grosse soirée prestige, là on vise plus de 200. Ok, et du coup tu peux nous rappeler le prix de la soirée? Alors à l'entrée, si vous êtes seul, c'est 2 euros. Sinon c'est 1,50€ par personne si vous venez en groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Cette grosse soirée prestige justement c'est le 27 février, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert à tous, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, voilà, vous essayez de s'amuser. D'accord, merci. Alors c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, donc je suis un petit peu novice, mais il y a de bons professeurs et du coup j'apprends assez rapidement. Du coup quand tu viens, il y a une personne du Rock HEI qui s'occupe de toi et qui t'apprend à danser. Ouais, c'est assez cool. Bon après j'ai des amis aussi qui sont dans le rock, mais même je sais que toute l'équipe est là au cas où j'ai besoin de conseils ou j'ai besoin d'apprendre des nouvelles passes, c'est assez sympa et du coup ils sont un peu tous là pour les nouveaux, donc c'est assez sympa. Et Victor, d'où t'es venue cette passion pour le rock? Alors passion, ça a bien grand mot. Non, je dirais que j'ai des amis qui sont dans l'association et du coup ils m'ont invité à venir. Et j'ai enfin décidé de venir et la première fois ça m'a surpris parce que ça m'a assez plu et du coup je suis revenu une deuxième fois et on verra par la suite si je continue. Du coup tu as connu l'asso par des amis, pas par Facebook ou
forums, des commissions? Non, c'est principalement par le bouche à oreille et principalement par mes amis. Ouais. Et du coup, tu comptes revenir toutes les semaines et participer à toutes les soirées? Bah, pour le moment, je pense que je suis parti pour, mais après, enfin, on verra comment ma progression. Et tu penses que c'est mieux de venir en couple ou seul pour ceux qui n'osent pas venir tout seul? Bah, moi, je dirais que ça dépend si c'est une fille ou c'est un garçon. Hein. Si c'est une fille, vaut mieux venir accompagner, mais par contre, si c'est un mec, allez-y, les gars. Il y a de la meuf. Donc du coup, tu penses qu'il vaut mieux venir tout seul pour pécho? C'est pour ça que tu viens au rock? Ah non, moi personnellement, mais non, bien sûr, tu connais bien sûr mes intentions qui sont tout à fait nobles. Je viens que pour la danse, pour l'amour de la danse. Et tu danses avec des garçons? Mais non, mais non, bien sûr, le rock c'est le garçon qui mène, donc c'est difficile de danser. Pourquoi ce serait pas la femme qui mènerait? Bah, va leur demander, hein. Moi, après tout, je une simple question, hein, s'il n'y a pas de sous-entendu. Étant donné que j'apprends là, tout le monde me montre un petit peu, donc même les filles me montrent les passes. Donc après, c'est mené par les femmes. Je pense que tu aimerais bien ça, toi, hein, pouvoir mener les uns. Je pense que tu fais déjà suffisamment bien. Mais non, dans la danse, là, en principe, ce sont les hommes qui mènent. Donc j'aime assez bien cette idée. C'est pour ça aussi que je veux dire. Est-ce que tu peux passer un petit message à toutes les personnes qui n'osent pas venir parce qu'elles sont débutantes comme toi et qu'elles ont peur de ne pas montrer leur talent? Alors, mais c'est pour les demoiselles. Et les messieurs? Bon, on va d'abord parler aux demoiselles. Les demoiselles, venez. Et pour les garçons, non, pour tout le monde, n'ayez pas peur, de toute façon l'équipe est là pour vous apprendre et puis c'est en essayant qu'on commence à apprendre, on voit au fur et à mesure qu'on s'améliore et puis de toute façon quand on est en train de danser on voit même pas les autres qui nous regardent, donc on apprend comme ça et c'est toujours sympa et à la fin de la soirée on est content de ce qu'on a fait. Merci Victor pour ces sages paroles, nous souhaitons une bonne soirée. Sages paroles, je tiens à dire. Notre journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.